Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Guild of Dungeon Ring. Et on est parti tout de suite à l'aventure. L'aventure où on va subir, évidemment. Toujours. Alors, qui va aller allez, Defeat Embro, on l'avait tenté, on s'était fait laver. Voilà, aller chercher du loot, un trésor. Qui va aller chercher le trésor? Est-ce Papiot, le grand guerrier? Aminou, le grand Mi? Moi je dis que Damned veut y aller. Parce que, voilà, c'est un petit peu un pilleur de tombe. Voilà. Donc, il veut aller chercher du loot. Voilà, c'est un peu sa vie. Allons-y. Sympa, merci le jeu. De me directement me donner ça. Oh, il faut juste aller chercher les deux large chests qui sont là. Elle est toute petite cette map. Pas drôle. Alors. J'aimerais bien. Voilà, merci. Alors. On va parler de certaines choses après. Bah ben voilà. On va déjà commencer par ça. Des choses dont je n'ai pas parlé, donc on va en parler juste après. Aïe, ça fait mal. Non mais oh. Hop. Alors, on va parler de certaines choses qui sont ici. Voilà. Alors, Oli plus 1, c'est-à-dire qu'on gagne un point en Oli. Si on a un autre qui fait Oli plus 1, en fait, on aura Oli plus 2, qui nous donnera de meilleures cartes. Voilà, par exemple, si on prend les deux là, et ben on aura du Oli plus 2. Voilà, donc on va... voilà, parce qu'on m'a dit que je n'avais pas dit. Donc, il récupère ce qu'il n'a pas fait. Voilà, donc on en parle. C'est voilà, faut le savoir, c'est comme ça. Ça m'embête de taper avant lui. Je vais me protéger. Voilà. Là, ça, par contre, on va faire ça. J'aimerais bien que tu ne m'embêtes pas, s'il te plaît. Eh, mais il refait un train. M'embête. Je vais taper après lui, pourquoi? Comme ça il serait... Ah non, d'accord, il gagne un PV même si... Aïe, 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 voilà. Là, c'est pour ça que j'ai fait la double, hein, parce qu'il y avait Bright qui lui permettait... Merde. Ah, mais si, pour un pas se défendre. Qui lui permettait de prendre des dégâts supplémentaires. Voilà, pour ça que des fois il faut... Bon, on a gagné. Très bien. Ok. Alors, armure plus 2, Swift, Oli. Voilà, donc là on a Oli plus 2. Regardez en dessous, là il y a noté Oli 2. Entre autres. Et plus de Oli, ça veut dire plus de force. Hop, après on ira par là. Plus 3 de dommages, gagne un bonus dommage. Physical attacks, dealing plus... Ah oui. Hop, voilà. Bon, après, c'est pas trop notre type, les physical attacks, mais c'est pas grave. Bon, on va limite, déjà. Aïe. Voilà. Donc ça, déjà, voilà, il prendra un point de vie par tour. Déjà, c'est pas mal. On va faire ça pour taper avant lui. Voilà. Aïe, ça fait mal. Oui, il y en a gagné. Voilà. Heureusement qu'on avait ça. Hein. Heureusement que je l'ai ignite dès le début. Sinon, on était dans le baba. Ah, c'est pas mal, mais le Fate Cursed... du Oli. Ouais, on va avoir un bon truc là. Ouais.
Au lit 3, on aura 2 défenses et à chaque fois qu'on bloque, on va gagner plus la 1. Allez, je perds Fire 3, quoi. Ouais, je perds Ignite. Hein. Et je perds un PV. Non. On va passer. Alors, on en parlait avec le signe noir, on a l'impression qu'il y a un petit bug sur le loot, sur l'argent, hein, parce que, regardez. Là, il est noté 3 pièces. Hein. En fait, je gagnerai 3 pièces. Et en fait, on voit que à la fin des niveaux, surtout avec Papillote, on a vu que je gagnais 5 balles. Donc en fait, on se demandait si c'était un bug ou pas. Et on pense avoir la réponse. Mais à voir, j'espère que ce sera corrigé pour la full release. Parce que sinon, ça va être... ça peut être embêtant, en fait, de pas gagner l'argent. Hein, qu'on attendait. Neurotoxine, bah tiens, déjà, hop. Ouais, on gagne bien des PV supplémentaires comme ça, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On aime bien nous les PV, PV, PV. Avoir plein de PV, c'est très bien. Crotte de bique. Bon, on va se remettre à zéro. Hein. Voilà. À zéro, comme si on n'avait rien eu, quoi. Hop, on va l'ignite. Méchant. Ah mince. Hop, on va faire ça. Alors pourquoi j'ai pas fait la défense? Parce que c'était... on pouvait pas se défendre contre son attaque. Ok, hop, de toute façon il va ignite. Donc il est mort. Et nous avons gagné. Bravo à toi Damned. Le meilleur guerrier. Bon, on va prendre ça. Hein. On aura quand même, comme ça, on a quand même des cartes. Oh, mais c'est... cette classe, cet homme. Est-ce que vous auriez imaginé croiser un jour Damned comme ça? Il a tellement de classe, tellement de charisme. Vas-y, mon petit Damned. Tu as le plus grand charisme du monde. Damned le charismatique. On a déjà le titre de la vidéo. C'est ça qui est bien. Voilà, par exemple, ça c'est génial. Bon, après il fait pas une attaque magique, mais sinon ce serait très très bien. Donc on va l'ignite direct. Bon, j'aurais pu bloc avec mes favors. Mais je préfère les garder pour quand tu auras un boss. Quoi qu'il n'y aura pas de boss ici, donc ouais, je pourrais les utiliser en vrai. En vrai, oui. Ah ! Bon, il meurt et nous on gagne, donc c'est bon. Bravo Damned. Tu as tellement de talent. Alors, Blade plus 2. Regardez, là en fait je perds ces deux cartes là, en Fire 2 et Fire 3, et je ne gagnerai que Swift 3. Et on a un point de faveur à chaque début de bataille, mais ça ne m'intéresse pas. Alors je vais prendre ça même si je sais que ça bug. Juste pour voir. Je peux pas la mettre là, hein. Mince, dommage. Ça, oui, bah voilà, on va trouver. Voilà, un petit basilisque ici. Mmh. Voilà. Vas-y mon petit Damned. Ah, j'espère qu'ils ont réparé ça, hein, parce que forcément, bah, y a des mises à jour en cours, hein. Donc, parce que le jeu n'est pas fini. Enfin, le jeu n'est pas fini. Je me comprends quand je dis ça. C'est une early access, donc forcément, il faut qu'ils améliorent des choses. Et donc, il y a des petites mises à jour à droite, à gauche, tout le temps. Et il y en a peut-être une qui a réparé ça. C'est pour ça que je le fais. On verra ça. On va voir ça. Ne vous inquiétez pas. Aïe, ça fait mal. Damned, tu n'as plus beaucoup de points de vie. Tu risquerais de mourir. 1, 2, 3, tu ne mourras pas. Bravo à toi. Mais tu es mal en point, mon petit Damned. Attention à toi. Tu risquerais de perdre la vie. Arcane plus 3. Ah, on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là. Mais j'aime bien. Alors après, je suis pas sûr que j'ai du 4.
pour faire du Fire 4 ou des trucs comme ça. Donc il faut qu'on voit avec les nouveaux loot qu'on va choper évidemment. On va essayer quand même de se concentrer sur l'achat du loot pour le, rappelez-vous, le live qu'on va faire sur le jeu. Avec le signe noir pour évidemment vous faire gagner des clés. Rappel, hein, deux clés à gagner. Le but du live, ce sera très simple. Vous devrez juste deviner, en fait vous aurez la liste des loots, on est en train de s'organiser pour le faire. Et donc très simple, vous aurez donc à choisir les loots, par exemple vous me dites voilà, prends ça, ça, ça et ça, ouais, donc des objets. Et si vous avez raison, donc le plus, il faut que je gagne aussi, accessoirement, il faut aussi que je gagne le combat. Et donc on va faire ça sur deux donjons par loot. Hein. Et si vous avez bon le plus de bonnes réponses, voilà, je vais y arriver, j'arrive à organiser les idées dans ma tête. Eh bien, vous aurez, vous gagnerez la clé. Regardez, voilà. Donc là, j'ai pas Fire 4. Parce qu'on voit qu'ici je serai à Fire 4 parce que j'ai encore un plus 1 et je ne gagne pas de Fire. Donc soit j'ai pas de Fire 4, soit il faut Fire 5 pour gagner quelque chose. Oh là là, tellement d'argent. Tellement d'argent perdu, mais de toute façon on sait que l'argent va être perdu. Enfin, il y a de grandes chances qu'on perde l'argent là. Donc, dans tous les cas, l'argent ne soit pas compté. Donc, on va voir. Parce qu'on est bien d'accord que là j'ai pris beaucoup de trucs d'argent. Hein. J'ai pris beaucoup d'argent. Donc normalement je devrais gagner plus de 5. J'en ai pris au moins 5 ou 6 là. Donc on devrait être à 15. Mais on n'a pas de taux de loot en fait. On voit pas le loot qu'on a. Donc je ne sais pas. Peut-être que ça bug encore. Je ne peux pas vous dire. Ce qui est dommage, hein. c'est dommage j'ai des loots comme ça, mais après, comme je disais, hein, c'est pas encore. Le jeu n'est pas fini. Ouais. Regardez, Fire, on gagne rien. Hein. Donc, à mon avis, Fire. Alors. Et en plus, on entend bien le bruit de l'argent, donc. Je sais pas, et à chaque fois, je les pose, mais Damned, est-ce qu'on voit. Non, là, on voit pas. Hein. Là, on voit toutes les cartes qu'il a, Damned. Évidemment. On voit les skills, donc il est en Swift 2, Holy 2 et Fire 3. Il a le Grave Looter. Il est level 4. Non, on voit pas son. On voit pas notre sac pour voir combien on a de trucs ici là. Alors. Ouais, bah vas-y, tape avant, hein. Tu vas gagner 2 PV. Voilà, donc bon, il se retrouve à 0. Comme si rien ne s'était passé. Voilà, on va l'ignite. On prend cher, là. On prend très très cher contre lui. 1, 2, 3, 4, 5. On a un avantage, on a un petit avantage, c'est très bien. Aïe. Donc là, hop, il prend le feu. Voilà, mais attention, là il va commencer à taper fort. Je vais jouer ça pour gagner de la vie. Pour moi, j'ai gagné de la vie, quoi. Et on gagne. Très bien. Ah, ils sont dangereux. Hein. Il y a des monstres dangereux. Hein. Bon, et là, on va choisir quelque chose. Je vais prendre ça. Hein. Ah si, Fire 4, on en a une là. Ou la Firestorm. Ou la Firestorm. Who'd have thought the way you fought, you'd be so very brave. Now we need somebody else. Toujours bugué ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait avec le signe noir. Vous imaginez à coup de 25 quand vous devez acheter des trucs à 750 et 750 c'est que le niveau 2.
Oh, pas mal ça. Parce que si on regarde ici l'Expand Guild, voilà, 2500 pour les trucs de niveau 3. Et je vous laisse compter le nombre de parties qu'il faut faire. 2500 en gagnant 25 par map. Combien de quêtes il faut faire pour avoir les derniers niveaux, les derniers persos? C'est pour ça qu'on pense qu'il y a un petit bug. Après, vous allez me dire, je fais que des quêtes de niveau 1. Certes. Mais quand même. Mais quand même. Qu'est-ce que ça me débloquait, ça? Stupidity, Crush, Growth, Holy. Ah, j'aime bien le Holy, moi. Vous savez. Arcane Holy. Oh là 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 là. Oh, Holy et Blessed. C'est pas mal ça. Plus 1 de. À chaque fois qu'on soigne, on a plus 1. C'est cool. Donc, peut-être pas mal. Allez, on va acheter ça. Bah, les trucs de. On va le mettre. Voilà, quelle quête. Ok. Ouais, très très beau. Moi, je suis toujours fan hein, du graphisme du jeu. Donc, je sais que ça va pas parler à tout le monde. Je l'ai déjà dit. Ça, on a tout le niveau. Mais c'est dommage aussi qu'on débloque pas un truc quand on a tout. Ah, peut-être si on a, si on débloque tout ça, on a peut-être un truc. Un truc bonus. Alors, on cherchait aussi. Ah, attendez, les étoiles, elles sont là. Ah, bah voilà, les étoiles, c'est pour le commun, le non commun et le rare. Voilà, les petites étoiles ici en haut à droite. Voilà. On en parlait. C'est parce qu'en fait, on parle de choses avec. Avec le signe noir et que vous ne savez pas. Oui. Nous discutons. Donc on a déjà le titre de la vidéo, hein, Damned le charisme. Get strong enough to beat the mimic before the catches you. Est-ce que, Damned, est-ce que tu te sens prêt à aller défoncer une mimic? Toujours pour toujours plus d'argent. Damned n'est pas en live avec nous, nous n'aurons pas sa réponse. Mais on va dire qu'il l'est, hein? Voilà. Bravo Damned. Nous savons que tu es fort. Oui, on a looté tes grands-parents. J'adore ce jeu. C'est ce jeu qui se prend tellement au sérieux. Ah, il est là. Attendez, mais... Ah oui, d'accord, on peut aller looter cela aussi. Hein, moi j'aimerais bien aller par là. Merci, mon petit Damned. Après, tu iras par là. Allez, vas-y, mon petit Damned. Ce charisme, ce Damned. Vas-y, ce n'est qu'un gobelin, Damned. Tu vas y arriver, Damned. We count on you. Rune Hunter. Draw a rune every turn. Mais. Ah non, c'est des faveurs, pas des runes. Aïe, attention mon petit Damned, tu peux mourir hein, contre un gobelin. Oh là 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 là, attention Damned, il va te faire beaucoup de dégâts. Vas-y mon petit Damned. Tu as gagné, bravo à toi. Quel talent. Alors, armure, est-ce qu'on part sur armure? Le bouclier nous donne Fire 2. Hein. On verra. On va partir sur armure pour avoir plus de PV. Cette classe, ce talent. Ah, il se déplace aussi, lui. Ah, d'accord. Ok. Ah, ça, c'était pas prévu, par contre. C'était pas prévu. Pas prévu du tout. C'est pas prévu. Il perd de PV là, non? Ah non. Ah, je crois que j'ai fait une connerie. Bah, je crois que Damned t'es mort. Hein. je crois que tu es mort. Je vois pas pourquoi il a pas perdu 2 PV. Normalement, il devait perdre 2 PV. Il était en bout de course. Donc. C'est pas grave. Ah, il faut vraiment que ce soit un truc où il n'y ait pas de tunnel derrière. Peut-être. Ah, ouais, c'est pas forcément bien expliqué là.
Vas-y. Vas-y, top. Strike de base, très bien. Et nous, on va faire ça. Voilà. Il me reste 4 PV et nous 5. Hein. Oula, 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 oula. Ah, j'ai pas... Oh, oula, tu vas prendre tellement cher, Damned. Aïe. Aïe, mais j'avais un truc imbloquable, je crois. Oh là là, erreur. Ah bah c'est bon. Damned, t'es mort. Au revoir, Damned. Ah là là, mais je pensais qu'il allait perdre ses 2 PV. S'il perdait ses 2 PV, il était mort. Il était mort. Je suis désolé. C'est juste que c'est mal expliqué. Il est bien noté quand il est en fin de course. Et il n'y avait pas d'autre issue. Donc je pensais que c'était une histoire d'issue. Mais non, c'est pas une histoire d'issue. Il faut vraiment qu'il ait pas de... il faut vraiment qu'il n'y ait pas de... Ah. De possibilité de chemin. D'accord. Ok. Désolé, mon petit Damned. Voilà. Désolé. C'est pas très grave, hein, c'était qu'un Damned. Nous t'aimons, Damned. Évidemment. Bon, on va retenter, hein. Qui va aller tenter ça? Un petit Gaelden, tiens. Vas-y, mon petit Gaelden. Tu peux y arriver. Donc, on est sur la même... Donc, il faut que ce soit une fin de course comme ça. Hein. Comme ça, par exemple. Pour le... Le machin. Je vais m'en sortir. Je vais trouver le nom. Le pirate, là. Le bandit. Le bandit, je crois. Je ne sais plus. Alors, on va peut-être pas se fermer des portes. Hein. Parce qu'elles se déplacent. Hein. La mimique. Se déplace de 2, donc elle va être là. On rattrape, hein. Attention. Il faut être fort pour quand elle va arriver, quoi. Alors. Il est Fire 1. Ok. Il va me discard, donc je vais en looter 2. Comme ça, au moins, je perds pas autant de... Voilà. Ok, ouais, bah écoute, t'as pas grand chose là. Si tu refais un double, t'es mort, hein, mon petit Gaelden, attention. Bon, ça va, t'as gagné. Bravo à toi. Bravo à toi, mon petit Gaelden, tu as réussi à tuer un gobelin. C'était limite, mais t'as réussi. Alors, ok, alors Fire 2, mais stupidité, ça m'embête un petit peu. Ouais. On va partir sur Arcane et Growth. Pour le moment, on verra. Ce qui m'embête, c'est que là, t'as beaucoup de... Tu vas avoir beaucoup de stats différentes, donc ça peut être embêtant. 1, 2, après ici. Ouais. Il faudrait que t'arrives à t'enfuir. Par là. Voilà. On pourrait aller faire ça et on arriverait jusque là-bas. Mais attention, elle est niveau 2. Non, je préfère... Ah, niveau 3, lui. On est que niveau 2, ouais. Je préfère faire ça, à la limite. Okay. Attention, il se déplace de 2, lui. Attention, il va nous rattraper. Hein. Alors, je vais mettre une spider ici et je vais mettre un gnoll là. Derrière, je vais faire ça. On va essayer d'avoir les mimiques parce que... Mais donc, est-ce que c'est intéressant d'essayer de looter? C'est ça la question, parce qu'on a vu que... le problème, c'est que... On gagne que... que 5 balles tout le temps. Alors, est-ce que c'est intéressant de looter beaucoup d'argent? C'est ça en fait ma question, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que ça sert de quelque chose de prendre beaucoup de loot en fait, beaucoup de trésors? Et ça m'ennuie un petit peu de pas savoir. Ok. Bon, petit zap, hein. Hop là. Parce que pourquoi pas.
Il m'enlève quoi? Ben voilà. Fire Shield. Alors, on a quoi? Un Holy, un Fire. Ah, bah prenons le Fire, comme ça tu auras Fire 2. Ça sera pas mal. Ah là 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 là. Allez, niveau 4, on est niveau 2. Oh là 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 là. On va tellement se faire laver. Tellement se faire laver. Hop. Donc on va faire ça. Et donc là, normalement, il perd 2 PV. Ouais, d'accord, c'est ça, ok. J'ai compris. Bah voilà. Tu me fais un PV, tu prends un. Et moi, je récupère mon PV. Mind Strike. Voilà. Alors, attention, on va me faire neurotoxine, on prend 2, lui prend 2 aussi. J'ai zap. Peut-être qu'au prochain tour. Après, il peut. Ah, si, il peut faire. Bordel. Si t'as zap là, tu gagnes. Et non, j'ai pas eu zap, mais j'ai eu fire flame slash. Bravo à toi, Gaelden. Bravo à toi. Plus 2 en. Ouais, mais j'ai gagné 2 stupidités, j'aime pas la stupidité. L'argent intéressant, level 3, attention, elle est level 4. Tu vas mourir, Gaelden. Ouais, au prochain, elle nous tape forcément. Ah, là, on va faire 1-2. Donc là, il faut qu'on défaite. On va tuer le mimique et elle arrive. Après, j'ai pas mis de monstre. Est-ce qu'elle peut se battre contre ses enfants, contre des monstres? J'ai pas regardé ça, il est vrai. J'ai pas regardé si on mettait des monstres, si elle se battait contre les monstres. J'aurais dû tenter. Boum. On a gagné des V de la vie. Hein. Aïe. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pas de trait. Donc au moins, voilà, elle va pas augmenter ses stats. Elle va pas faire ceci ou faire cela. On va garder Zap pour le moment. Aïe, aïe. Parce qu'on voit que Zap, là, si j'utilise Zap, je gagne. Je gagne pas. Elle me fait 2. Donc je survis. Donc je vais faire ça pour la tuer parce que c'est indéfendable. Bravo, Gaelden. Bravo. Elle arrive. Hein. Ouais, il me faut Ignite, hein, je pense. On va prendre Ignite. Hein. Parce que là, c'est son tour. 1, 2. On est niveau 3, elle est niveau 4. À mon avis, ça pue. Hein. Pouah, tellement de PV. Ouais, on va bloquer 1. Et on gagne au moins notre PV. Alors, on n'en perd pas, quoi. Plus 3 dommages in one turn cause 2 extra dommages. Ok. On va faire ça. Aïe. Voilà, au moins elle est ignite. Ouais. Aïe. Oh là là. Non. Bon. Bah Gaelden, désolé. Ah non, oui. Non. T'avais Flame Slash, tu gagnais. Ah. Crotte de bique. Crotte. Bon, c'est la mort. T'avais Flame Slash, tu gagnais. Désolé. C'est la mort. Nouveau Grave Digger est arrivé. Je vous laisserai donner
un nom à ce nouveau Grave Digger, qui pour le coup n'a pas le bouclier de base, donc ça risque d'être embêtant. Mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Allez, bye bye.